Nous savons louer tout le monde, tout le gang, et tout le Janicon, toute la reine Chaprel, toute la reine Bisango, toute la reine Tataoué, tout haïtien conséquent, de façon l'autre, cap travail, cap goumen, pour nous recommander que nous avons le pays à ce pied. Et certainement, le pays n'a pas avancé en dehors de quoi en Sétioni, en dehors de quoi en Zaratio. Pablo Souchanel, Fidel Fagrizé, Cosé Vaudou. Ou nous avec mission, nous chaque semaine avec des nouvelles connaissances. Ou même tout gagne mission pour liker vidéo, partager vidéo, ce travail pour. Puisque toujours fait ça, c'est d'accord, Chanel Fidel Fagrizé, Cosé Vaudou. Nous gagnons 162 000 personnes qui suivent nous à travers le monde. Aïe, bobo pour ça, pas un cadeau. Mais plutôt, c'est le résultat de travail nous, qui cause la quantité de personnes qui suivent nous. Je dis à nouvelle connaissance que nous avons aujourd'hui, c'est barrière fermée. Barrière fermée, c'est thème qui a fait actualité. Barrière fermée, c'est de lui-même tout n'a parlé. Ça veut dire que barrière qui relie Wanamet, qui relie Haïti avec la République Dominicaine, Wanamet barrière fermée. Et barrière ça qui fermée, hein, si symbolise un paquet de bagages auprès de vie réelle et auprès de vie irréelle. Ça veut dire auprès de vie visible et auprès de vie invisible. Ça veut dire que barrière fermée, pas seulement fermée auprès de vie sociale, auprès de vie sociale et économique et politique, mais le fermé auprès de vie mystique. C'est ça qu'on a bien pour nous parler ensemble avec ce channel Fidel Fariz et Cosé Vaudou. Vous connaissez ce channel ça, nous même nous pas fait pause, nous pas fait pause nous-mêmes, excusez, nous pas fait pause. Et que nous prenons soin nous, nous tenons tout le monde, tout le bagage fin passé, après pour nous analyser, pour nous regarder ensemble avec vous, regarder pour assez mystique, et bien qui barrière ou qui ferme, qui ça s'aille. Mais c'est pour nous consacrer, barrière qui ferme, hein, nous allons regarder ensemble. Barrière qui a toujours ouvert parce que Haïti son pays qui pauvre, Haïti son pays qui grand goût, son pays yo appauvri, Haïti n'a nécessité barrière capable toujours ouvrir, mais barrière mystique là fermé net. Barrière mystique là entre la République Dominicaine, entre la République Dominicaine et la République Dominicaine, barrière mystique là fermé net. C'est ça nous va pour nous garder. Parce que vous causez une balle les gars, les t-shirts, parce que vous parlez avant de causer ensemble avec vous. Mais avant que vous arriviez à comprendre ça, c'est celle qui est histoire qui permet de comprendre que ça nous parle. C'est ça que nous disons sur Chanel Fidel Fariz et Cosé Vaudou. Nous pas seulement gagner Chanel là, c'est nous dit ça, laissez une université. Parce que c'est là qu'il faut apprendre. Rapidement, qui sera où de comprendre. Pays ça, je dis qu'il va diviser en deux, entre la République Dominicaine et la République d'Haïti. Marquez ça, entre la République Dominicaine et la République d'Haïti, premier nom était Guinée Hispaniola. Il était relé Hispaniola. C'est-à-dire, puisque il était relé Hispaniola, mais comment faire de relé Hispaniola? Il était relé Hispaniola, c'est parce qu'à partir de 8 janvier 1454, où qu'on est que 1454, il y a eu autorisation, après on a pris 1454 en zone 1000, ça dit en zone 1000, ça dit 11e siècle, c'était le moment que les hommes t'ont parti, les Occidents, ils t'ont parti à la conquête de la terre, à la conquête de nouveaux mondes. Puisque t'es parti à la conquête de nouveaux mondes, c'est que pour qu'à partir du 11e siècle, au Kawagadé, on va commencer à faire des découvertes, on série des bagages, mais pas oublier que c'est pas oublier que l'Afrique a découvert ça. Puisque l'Afrique de Guetta couvre de couvre ça, ça m'a dit que les prestigieuses navigations de l'Afrique. Les prestigieuses navigations de l'Afrique, parce que ça pour nous, on va chercher ça à part. Et puis après que l'Afrique est venu là. Mais puisque l'Occident va passer à la conquête, on va commencer à faire des exploits, on va commencer à faire des exploits, à aller découvrir des nouveaux mondes, on va regarder pour eux, et bien que on va aller comme ça, à chercher, on va regarder pour eux, nous va arriver en 1454. En 1454, on va arriver en 1454. On va arriver en 1492. Pour vous comprendre, nous sommes à l'université de Guéen, nous avons campé en 1492. En 1454, qu'est-ce qui s'est passé? En 1454, nous avons autorisé l'esclavage par Tommaso Pantuccelli. Donc, le pape Nicolas V a autorisé l'esclavage. Eh bien, puisque Pape Nicolas était l'esclavage, nous c'est Thomas Pantuccelli. En 1458, il va bénir l'esclavage à Notre-Dame de Paris. Depuis là, il n'y a pas de arrêter nous. Bon, là, nous avons essentiel, ça ou de connaître. Ça qui est essentiel ou de connaître. En 1492, en 1492, lorsque l'Espagnol a été découvert, il est arrivé sur le bout de ça.
Espagnol est arrivé sur bouteille ça en 1492 et en 1492 il était baptisé Tessa Hispaniola. Hispaniola ce qui veut dire petite Espagne. Puisque il était Hispaniola, Hispaniola lui-même en a gardé pour elle, il était gagné lui-même, il était en a gardé pour elle superficielle pour capable comprendre ça que nous-mêmes nous décider parler. Et bien il était gagné Hispaniola, superficie Hispaniola, c'est 76 000 km² avec lui. 76 000 km² avec lui, ça dit c'était Hispaniola. C'est-à-dire Hispaniola, la République dominicaine, le parler l'île Hispaniola, c'est la République dominicaine qui vient de la République dominicaine, qui vient de la République d'Haïti. C'est l'opport tout est ensemble, il y a 76 km². Dans 76 km², comment la République d'Haïti gagne? La République d'Haïti gagne 27 500 km². Et puis, la République dominicaine qui gagne 48 000. L'opport 48 000 km², puis 76 km² entier, là-bas, ou 76 km². C'est-à-dire que Hispaniola, c'est une bout de terre, la République dominicaine et la République dominicani, c'est-à-dire 76 km². C'est ça qui est suite. Nous, nous sommes dans le Chanel, nous avons une université, continuons à parler à ces causes pour dans une université. Et bien, rapidement, si on voit que l'Espagnol était venu occuper terre, ça. L'Espagnol était occupé l'île entière. La République dominicaine, en particulier, partie l'ouest qui vient de la République dominicaine, partie l'ouest qui vient de la République d'Haïti et partie est qui vient de la République dominicaine. C'est-à-dire que bout de ça, tu as dirigé par espagnol. Mais puisque tu as été par espagnol, ça veut dire que pays ça, il parle qu'on est premier barrière qui parle séparé. Premier barrière qui parle séparé, c'est barrière qui parle paraître à partir de 1697. En 1697, c'est la première barrière qui va séparer deux bouts de qui va séparer, c'est une partie S qui est dirigée par partie S qui vient de la République dominicaine, qui est dirigée par Espagnol, et partie l'Ouest qui va dirigée par Français. Et c'est pas la chose ça qui va faire. La première barrière qui va le mettre entre deux pays, entre deux bouts de c'est 1697. 1697, nous sommes dans la traité de Wizik. La traité de Wizik, c'est traité ça qui va le faire mettre par la France qui est partie l'Ouest et Espagne qui est partie S. À partir de ça, séparation qui était faite, la première barrière qui était gagnée à partir de 1698, elle pas seulement une barrière géopolitique, mais c'était une barrière spirituelle. Il était une barrière économique pour la France, il était une barrière économique pour la France, il était une barrière politique pour la France. Comme ça, tout le c'était une barrière, tout le c'était une barrière spirituelle. Et cette barrière spirituelle, on va demander vous comprendre. Puis cette barrière spirituelle, c'est que l'Église catholique qui était autorisation avec l'Espagne pour être parti à découvrir nouveau monde. Et bien puisque c'était l'Église, c'était grâce spirituelle, et bien que la montée de la France peut monter en force et en puissance, côté la France peut le permettre, peut le demander, la France peut le venir se bouter ça tout, et bien c'est pas obligé de séparer, traiter de déusique, et bien le bail tout, pour le trouver de nos parties, pour le trouver nous dans la barrière spirituelle, et bien spirituelle là, elle peut le diriger par les frères maçons. Vous comprenez? Il va le dire par les francs-maçons, parce que dans la période ça, c'était à partir du 17e siècle, c'était le siècle des Lumières, 1600, c'était le siècle des Lumières, parce que la période de traité de Wizik de 1697, traité des Lumières. Non, ça, c'est le siècle des Lumières. C'est-à-dire que c'était la franc-maçonnerie, mais qui était dirigée, qui était partie, la France. Alors, après, ça qui est plus important ou de connaître, parce que l'émission, ça, l'île, on a pile, maintenant, pour garder l'émission, ça, pour tenir l'émission, parce que c'est une émission qui appelons en pile. Rapidement, après ça, il dit que première barrière que l'île espagnole connaît, que c'est première barrière ça qui sépare lui, et bien que ça où on va mettre fait là, il était fait en 1697. Après 1697, nous connaissons que partie est dirigée par espagnol et partie l'ouest est dirigée par français. Nous connaissons que à partir de la bataille de 1803 et toute bataille qui va bien pour janvier 1804. Si 1697 traité de Wizik était en faveur de la France, et bien que vous connaissez que bataille que Dessalines va mener, que les ancêtres vont mener, et bataille ça va le bail, que vous deuxième barrière que Espagnol va le connaître, deuxième barrière que Espagnol va le connaître, mais c'est une barrière qui prend en faveur la République d'Haïti, barrière ça, l'y moutait, l'y séparer, 1er janvier 1804. C'est ça qui fait force nous-mêmes. C'est la première barrière, et bien séparation 1804 là, premier janvier 1804 là, et bien séparation l'île Hispaniola, ces domaines pour séparer, ces domaines. Ou bien partie S qui va partie S qui va arrêter sous compte.
puis avec ce côté espagnol là, et partie l'ouest qui va venir, qui va aller après bataille, à partir des batailles là, et bien qu'elle finit par indépendance, pour le 1954, il va avoir une barrière. Et barrière ça, il parle pas seulement une barrière politique. Il n'y a pas seulement une barrière économique, mais il prend une barrière spirituelle. Puisque ça prend une barrière spirituelle, et bien, à partir des premiers Jérémie 1954, la barrière spirituelle, c'est qu'ils allaient lier. C'est parce que bout de ça, et bien, que ces croyances africaines qui vont diriger. Ah oui, qui fait nous, c'est nous, nous-mêmes. Michel, il n'y a pas de conseil, nous disons comme ça, que là, nous sommes universités, nous sommes ou d'une jolie. Est-ce qu'il n'y a pas de jolie? Mais il n'y a pas de jolie, il n'y a pas de jolie, nous connaissons. Quand il y a là, à partir de 1954, vient une deuxième barrière. Et c'est barrière ça qui va séparer la République dominicaine, nous parlons de la République dominicaine, eh bien, à partir de ça, partie espagnole là, qui va séparer avec partie africaine qui est venue dans l'esclave dans le bateau. C'est-à-dire que, après soulèvement des esclaves, après sa bataille pour Haïti indépendance, c'est qu'il paraît plus le 1er janvier 1904, il paraît premier République nègre, et bien sous la terre bénie, et bien croyance par nous, nous va séparer des politiques la France, nous va séparer des politiques Occident, et bien qu'il va avec une nouvelle politique, et bien plus qu'une nouvelle politique, nous va créer une nouvelle classe économique, et bien nous va séparer une nouvelle croyance, puisque c'est pas une nouvelle croyance, la vie. Il y a une barrière qui est une barrière spirituelle pour le 1er janvier 1850. Ah bah tu vois là, nous parlons de bagages, nous connaissons. Après le 1er janvier 1850, et mon parrain Kounia là, c'est Haïti, Haïti va séparer barrière par là lui-même. Il va mettre une barrière par Haïti, Haïti va mettre une barrière entre lui-même et à partir de l'Est. Et bien après ça, on connaît à partir de. Si barrière qui était séparée à partir de 1800, premier chef de 1804, il était en faveur. Il était en faveur des salines. Il était en faveur des salines et tout grand parent nous. Et bien que, ou prend le temps 1er janvier, et plutôt prend le temps 27 janvier 1844. Et ça m'a douleur là, oui. Ah, ça m'a douleur. Ou prend le temps 27 janvier 1844. Avec Juan Pablo Duarte, la République Dominicaine prend le mettre une barrière. Ça c'est barrière ça qui prend séparer ça on va mettre sur là ça barrière là-bas oui on aller barrière 1697 barrière de Wizi barrière pour janvier 1704 barrière que Jean-Jacques Dessalines mettait pour ah là nous y est là oui c'est là nous y est. Eh bien, nous connaissons que, eh bien, puisque Haïti, partie l'Ouest là, la France est venue avec une barrière qui sépare des parties de l'Est là, eh bien, Haïti vient une barrière qui sépare des parties de l'Est là, eh bien, que, puisque vous pouvez connaître que vous n'avez pas occupé la République Dominicaine, eh bien, que plus passer 21 ans, eh bien, qu'est-ce qui va le passer? Vous pouvez attendre 27 janvier, pourquoi je ne vais pas parler là, oui? 27 janvier 1844, cela veut dire que 40 ans plus tard, le parti est là, qui c'est la République Dominicaine, la République Dominicaine, et bien la République Dominicaine va prendre indépendance 27 janvier 1844. 27 janvier 1844, c'est la partie, c'est-à-dire que parti est là, qui est espagnol dans le dirigeant, il prend pour indépendance et il prend mettre une barrière. Et barrière ça, il prend en faveur la République Dominicaine, et bien moi qui va bénéficier de barrière, qui va chef ça, sur un point de vue politique, économique et spirituel, et bien que l'arrivée de Juan Duarte Pablo, eh bien que ça va faire deuxième barrière ça. C'est que la République Dominicaine, eh bien barrière ça, ou avoir deuxième barrière. Soit barrière, on a l'ingénieur de barrière. Barrière 1697, barrière 1697 par traité de Wizik, barrière projet 1704 par Jean-Jacques Dessalines et Jean-Jacques Dessalines et qui va la première République Dominicaine, qui va la première République Néclois sur la terre bénie, eh bien, ou pas jeune tout. 27 janvier 1844, et bien la République Dominicaine n'est pas pour indépendance, pas pour gagner une barrière. Est-ce que la relation entre les deux pays, entre la République Dominicaine, pour la République Dominicaine, 27 janvier 1844 à 11h du matin, et bien la République Dominicaine n'est pas pour indépendance, et bien qu'il va mettre une barrière ça, et bien on a gardé pour eux. Est-ce que tout gagne, comment ça te pas de gagner la paix et pas de gagner ensemble entre tout ça. T'es tout gagné entre parti S espagnola et parti l'Ouest. L'île d'Haïti ou par République Dominicaine la donne qui c'est 76 km carrés. Et bien rapidement, quand on a regardé pour si barrière ça y est, barrière 1697, barrière 1704, barrière 27 janvier 1844,
il était pour Espagne, il était pour parti Esta, pas pour la République dominicaine, c'était en faveur de la République dominicaine. Eh bien, barrière 1697, il était pour la France. Barrière 1800, 1er janvier 1804, il était pour Haïti, la République d'Haïti. Eh bien, je dis à nous arriver dans nouveau barrière. Nous venons nouveau barrière. Et nouveau barrière, ça, il parle l'autre barrière. Et nouveau barrière, ça, il parle l'autre barrière. Lise barrière, 21 novembre 2022. Lise barrière, 21 novembre 2022. Et c'est dans barrière, ça, que nous y est là. Et c'est dans barrière, ça, nous chita. Et c'est dans barrière, ça. Et M. Sali mène nous. Mais puisque son université nous c'est des connaissances à parler, nous, tout comme nous sommes pour nous arriver là. Je vais prendre bien pour bien saisir ça nous parle. Nous connaissons que l'Espagnol est occupé espagnol à l'île d'Haïti. Traité de Wizik, M. Sekad Messel, c'est la première barrière. Barrière saleté en faveur de la France. 1er janvier 1904, c'est la deuxième barrière que Boutte ça connaît. Il s'est barrière qui va barrer la République d'Haïti. Il s'est en faveur de 7 nous. 27 janvier 1844, à 11h10 du matin, et bien côté Juan Pablo Duarte, qui c'est défenseur ou bien qui c'est révolutionnaire, et bien qui pour la République dominicaine, et bien au barrière, et barrière ça, qui va en faveur de la République dominicaine. Je dis à nous, revenons barrière 21 novembre 2022. Barrière qui, ma pote aussi la paix, barrière qui, la population haïtienne, Mounne Wanamet, je décide de créer la quatrième barrière. Et c'est la quatrième barrière, ça, je vais vous donner votre attention. Et c'est la quatrième barrière, ça, c'est là nous chita, et c'est la barrière, ça, je vais vous donner pour chita. Pour chita, vous comprenez. Et barrière, ça, cause qui va venir, cause, on garde cause 4 barrières, yo. Cause première barrière, qui peut venir de 1547 de Wizika, c'est la France qui a demandé séparation. Et bien, séparer il là. Si c'est comme ça, c'est séparation il là qui est à côté que la France n'a pas de partie l'Ouest là. Deuxième barrière, intérêt en faveur de qui est-ce qui vient. Deuxième barrière, c'est 1er janvier 1804. 1er janvier 1804, barrière salvée, en intérêt nous-mêmes, peuple haïtien. Deuxième barrière, troisième barrière, 27 janvier 1844, avec Juan Pablo Duarte, et bien, barrière ça, il était en faveur de la République dominicaine. Je dis à nous, une quatrième barrière. Et la quatrième barrière, ça, on a gardé pour elle que cause qui va bailler que barrière que l'île espagnole qui est 76 000 km², côté la République dominicaine qui est 48 000 km², la République d'Haïti qui est 27 km², et bien que prenne une nouvelle barrière qui va la quatrième barrière, et barrière ça, elle prend descente 21 novembre 2022. Et barrière ça, il y a aspect politique, il y a aspect économique et il y a aspect spirituel. Même nous sommes universités, nous ne parlons de quoi. Sous Chanel Fidel Paris de cause de Mandou là, sur l'université nous gagnons. Nous ne parlons jamais pas de bagages de bacon. Eh bien, qui sont de comprendre? Qu'il y a de la garde qui intérêt pour qu'il y ait barrière ça bon. Eh bien, qui cause qui va le permettre que pour aller au quatrième barrière? Et bien, la quatrième barrière, ça doit prendre naissance, c'est parce que il y a un président qui est Abinadel dans la République dominicaine, et bien, qui prend des décisions racistes, politiques, des décisions racistes, contre le peuple haïtien, ou bien contre la population haïtienne, et bien, qui commence à déporter nous. Papa n'est pas paquet, humilier nous, déshumaniser nous, et bien que vienne pimper le babo ici, après toute humiliation ça, frère Axel nous, absibi dans la République Dominicaine, après toute humiliation ça, toute déception ça, et bien que nous ne voulons pas mettre. Aïe bobo pour ça, aïe fout ton nez, ça prouve que gagne moun. Moun ne voulons pas mettre, puisque il n'y a pas bon pour moun.
président qui est le Abinadel, eh bien Abinadel a déshumanisé le peuple haïtien, l'a maltraité, il prend des décisions et des décisions sérieuses, des décisions racistes. Et bien, contre le peuple haïtien, contre la population haïtienne, et bien, que puisque les décisions ont maltraité nous, tu mettez les papiers à vous tourner, à foncer des bagages, maltraité nous, et bien, que vous voyez une tournée, et bien, ça a dit, femme enceinte, humiliation, ça a dit, des bagages, ça a trop pour nous, et bien, que pendant déporter nous, consacrer, maltraiter nous, la guerre nous, sous frontière, humilier nous, et bien, que la population, on a mis, bravo pour nous, on a mis, aïe, bravo pour nous, on a mis, ton écrase. Dieu, mon doujou. Et bien, que. Puisque l'État sur l'État Sankoutia, puisque l'État sur l'État Fatra, puisque c'est l'État sur l'État Gang, puisque l'État Haïti sur l'État Gang, puisque l'État Haïti sur un paquet de marchands de drogue, puisque l'État Haïti sur un bon volet, c'est-à-dire que il n'y a pas de puisque pas de leader, pas de chef, puis t'as avec des nouvelles stratégies, au moins des stratégies politiques, des stratégies économiques, des stratégies spirituel, eh bien, qu'est-ce que ça dit que des décisions géopolitiques qui étaient capables de frapper la République dominicaine, puisque ce n'est pas qu'un fatra dans l'État, ce n'est pas qu'un gang qui est dans l'État, tu n'as pas beau, c'est crack qui a fumé, ce sont des bandits légaux, ce sont des voyous, ce sont des imbéciles qui ont dirigé le pays d'Haïti, bravo avec la moun, Wanamet. C'est la République de Wanamet, qui est semblé ça? Bravo pour Wanamet, bravo pour femme Wanamet, bravo pour garçon Wanamet, je retire le chapeau bien bas devant femme Wanamet, je retire le chapeau bien bas devant garçon Wanamet, devant femme vaillant et garçon vaillant qui est dans Wanamet. Aïe, bravo pour ça. Ah, gay espoir. Eh bien, citoyen de la République Wanamet, permettez-moi de dire ça, entre parenthèses, parce que c'est une décision que la République d'Haïti a de prendre, pourtant c'est Wanamet qui prend, et bien des citoyens et des citoyennes, et bien des intellectuels et des savants, des hommes capables, et bien, ils ont décidé de fermer les barrières. Ils ont fermé les barrières, hein? Aïe, bobo tonner, aïe, tonner, mon Wanamet, bravo, foot, tonner. Maman, coup de parfait pour mon amet. Oh, mais c'est pas vrai. Ça ne va pas la maison. Maman. Bravo pour mon amet. Bravo pour mon amet. Quel coup de parfait pour les gens de ma vie. Bravo pour mon amet. Eh bien, mon amet, prends une décision. Et décision ça, ça n'est pas de faire. Décision que mon amet prend, c'est fermer barrière. Fermez frontières qui est entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Fermez barrières. Fermez barrières. Et il parle d'un aspect économique. Côté que la population, c'est de mes gouazes-là. Eh bien, que paysans, paysannes, non, République dominicaine. Et bien, comment c'est passé? Comment c'est repasser ces bagailles? Il dit pas de barrière à fermer. Hein? Nous allons montrer que nous-mêmes haïtiens, c'est nous-mêmes qui petit des salines, c'est nous qui capacité, parce que nous-mêmes, le 14, nous fouillons les racines de l'esclavage pour nous faire résistance. Population, nous allons mettre la ferme barrière. Ferme barrière. Bois faux pour faire mon ami. Je fais mes barrières, je suis des barrières, je passe pas des liens les barrières, je passe les barrières, je mets ton drapeau à y mettre logo bien, à moi à y payer ici à la donne, et puis je fais même. Vous comprenez ce que je dis? Je monte la République Dominicaine, Gémoun. Haïti Gémoun, bois faux pour mon ami. Je monte la République Dominicaine, et bien que, au point de vue de diplomatie, nous pouvons faire ça, la diplomatie. Ils défendent nous diplomatiquement. Ils défendent nous. Si on a besoin d'un goût avec la République dominicaine, on a gardé un gap là dans le bois d'homme. Il y a des gens qui font sur la terre. Nous puissions fermer. Au point de vue économique, ils mettent la République dominicaine dans les souliers. Tout le monde a gagné à gaspiller, à pourrir. Dominique n'est pas rentré dans le monde. Il y a ces Dominique qui a demandé de négocier. Bravo. Quelle belle stratégie. Barrière fermée. Barrière fermée. Oui, barrière fermée. Populaire monde. Qui n'a pas à mettre fermé barrière. Et barrière sac fermé, hein? Symboliquement, les montrer que nous sommes un grand peuple. Nous avons fait résistance. Nous sommes un grand peuple pour nous dire que même là, nous ne sommes pas saf. Nous allons mettre à l'aide de bacal négrier. Quand nous avons fait 40 jours,
Et elle fouille une résistance qui était pas haïtien dépendance pour dire la République dominicaine, mon leçon. Mon la mettre. Al fouye, ne résiste à l'esclavage pendant l'esclavage qui te fait 3 siècles. Et 3 siècles, grand-parents, ne tape bataille pour débat Haïti indépendance. Et bien, moun moua la mette, elle ne résiste à ça. Yo kengaline, yo kengoule, non? Kangaoule, c'est comme ça, nous gavale. Kangaoule, rele kanga, maboule kanga. Kangaoule, rele, rele kanga, kangaoule. Eh bien, puisque kangaoule, on dit kangali kanga, puisque lâchez nous, il y a des humanisés, on a coupé tête, tu vois, ça moi. Kangali kanga, yo kangoule, non? La Kangali Kanga. Mais puisque la République Dominicaine, kangoule, non? Eh bien, moun wana mettre Kangali Kanga. République Dominicaine, pas y'en gagne de la dedans. Bravo. Bravo, mon Mohamed. Et, baye ça ou qui fait mieux. On prend des vies politiques, c'est dire à la République Dominicaine, eh bien, qu'il faut respecter la République d'Haïti, parce que nous-mêmes, il y a des femmes fortes, des hommes forts, dans le pays ça, gagne. On prend des vies politiques. On prend des vies diplomatie. Nous disons la République Dominicaine gagne. Au point de vue économique, nous disons la République Dominicaine, c'est vrai, nous sommes des consommateurs. C'est vrai, nous sommes des consommateurs. Mais pendant que nous consommons, nous ne pas ça. Nous fermons les barrières. Et fermer les barrières, ça, au point de vue économique, nous mettons la République Dominicaine, c'est nous mêmes. C'est nous mêmes. Qui est-ce que c'est nous mêmes? Je pense que les gens sur Chanel ne savent pas comprendre l'émission. C'est pour nous dire que, ouais, client, c'est lui quoi? Ouais, moi, ma bonne matelas, c'est client quoi? Ça veut dire que c'est nous qui avons acheté dans la République Dominicaine, c'est nous chef, c'est nous qui avons décidé. Il y a des bois de la République Dominicaine, il n'y a pas qu'à faire. Et il y a des République Dominicaine, il n'y a pas qu'à faire encore. Eh bien, que nous allons mettre, au point de vue économique, je dis à nous équilibrer la balance. Nous fermons les barrières, bravo. Et nous fermons les barrières, ça, barrières, discrimination, fermons les barrières, nous fermons les barrières gang. Que la République Dominicaine a voué plus en Haïti. Nous faisons une barrière raciste. Nous faisons une barrière des imaginations. Nous faisons une barrière ça. Nous faisons une barrière pour nous montrer que nous-mêmes nous sommes un grand peuple. Nous faisons une barrière ça pour nous voir le barrière pour nous montrer que nous sommes un grand peuple. Nous faisons une barrière ça pour nous dire que nous sommes même les nous grands nous basaf. Nous faisons une barrière ça pour nous dire qu'on sait que 27 500 km² nous qui vivons là-dedans. Nous faisons une barrière ça pour dire que si nous mettons tête ensemble, nous capables de la classe politique. Nous faisons une barrière ça. Nous faisons barrière ça avec la République Dominicaine. Pour nous dire que la République Dominicaine, nous même le week-end, nous avons dévié la carrière. C'est policier aussi qui veut dévié la carrière. Mais si nous t'aimons, nous allons parler. Nous faisons une barrière ça. Et barrière ça, elle ferme, elle ferme, elle ferme net. Je ne sais pas combien de barrières ça fait pour nous. Mais barrière ça, elle ferme net. Qu'est-ce que ça veut dire, barrière ça, elle ferme net au point de vue spirituel? Au point de vue spirituel, il y a des esprits qui ont des relations. Pourquoi nous allons parler là? Pourquoi vous avez fait des barrières pour vous? Il y a des esprits qui ont des relations entre. Entre la République Dominicaine et la République d'Haïti, parce que vous connaissez que le pays a été dirigé par Kassika, et que le pays a été dirigé par Haïti. Et Haïti, qu'est-ce qu'il y a au Boyo? Je vais prêter moi pour vous dire, qu'est-ce qu'il y a au Boyo? Il était haut, il était montagneux. Mais ça veut dire, Haïti a été dirigé par Kassika. Le pays, ça, le pays qui vient espagnol, a été dirigé par Kassika au royaume, et c'est Kassika qui a été au seul, mais c'est Haïti. C'est-à-dire que l'esprit qui a été contact entre Haïti et la République Dominicaine, je dis ça, barrière ça fermé, au point de vue spirituel, nous fermons. Pas de contact entre entité qui est dans la République Dominicaine et entité Haïti. Pas de relation entre esprit qui est en Haïti et esprit qui est en République Dominicaine. Barrière qui est toujours ouvert physique. Barrière qui est toujours ouvert physiquement, ou qui regarde où elle est ouverte. Ou qui regarde les relations entre commercial entre la République Dominicaine et barrière. Mais, relation spirituelle. Relation spirituelle, relation mystique entre Haïti et la République Dominicaine, esprit fâché. Yo pas entendre, yo pas zanmi. Bravo avec nous, Mohamed. Je ne je dis pendant esprit Haïti yo fâché. M'a demandé avec cousin Zaka, n'est pas tous ces pécans sont faire le soleil lever pour pays d'Haïti. M'a demandé maman d'auto, même les qui ou fâché, en ça esprit dans la République Dominicaine. M'a demandé maman d'auto, et mais je dis à petit tout bien à pied. On mette tête ensemble, on rete dans l'amour, on rete dans l'amour Ezil Frida, on rete dans travail cousin Zaka, on rete dans connaissance d'Ambala, on rete dans connaissance d'Ambala, on rete dans connaissance Simbi Maka. On a gagné une connaissance loyale afin que nous capables de gagner en l'autre pays. Pas ça, l'IFM,
entre la République dominicaine, ce n'est pas seulement une barrière physique, mais son barrière. Il n'est pas seulement une barrière visible, mais son barrière invisible. Barrière, ça qui fait, pas seulement une barrière. On barrière auprès des vies sociales, économiques, mais c'est un barrière qui ferme auprès des vies religieuses, auprès des vies spirituelles. Je veux dire là, qui c'est Haïti qui a bénéficié? C'est le moment pour chaque Haïtien, c'est le moment pour Haïtien de retourner dans la racine. C'est le moment pour un peuple Haïtien de retourner dans la racine. Tourner dans la racine, aller dans la cour, aller dans le décao, aller dans l'habitation, parler avec l'esprit, consacrer, nous parler avec l'esprit, consacrer, basse d'antio, capable de bailler de l'eau. Et bien, pied bois capable de repousser, et puis quand nous l'autre Haïti, un Haïti qui est essentiellement agricole, un Haïti côté cousin Zaka capable de ministre, un Haïti côté maman de toi capable de prendre ce petit, un Haïti côté Dembala capable de connaissance à la petite, un Haïti. Haïti dans la langue swahili, côté nous pas obéir. Haïti, Haïti, qui se fait non, si, dans la langue swahili qui dit nous pas obéir. Yon Haïti côté gain, nous pas obéir avec la République dominicaine qui veut imposer, nous pas obéir avec n'importe l'autre puissance qui a décidé, parce que l'équipe de la table parce que figure nous dans caca pour nous dire que nous c'est Haïti. Dans la langue swahili, côté monde pas obéir avec. Injustice que nous ne pas obéir avec ça qui va nous ne pas obéir avec racisme. C'est le serviteur fidèle pharisien, nègre la guetta, il fait quand ce fait, nègre quand il va venir. Bon rendez-vous pour la plus belle émission. Merci.